Salut les gars, alors on est aujourd'hui à Plougastel avec les potes. Non mais attends, Et on va se faire un call in the shot. Oh mec, elle était bien. Mais il est en train de me piquer ma chaîne YouTube. C'est moi qui tiens cette chaîne. Ouais, rends-moi mon casque. Imposteur. Hey, oh, dis donc. Imposteur. C'est call in the shot. Ah, je suis énervé. Il m'a volé ma chaîne YouTube. C'est pas bien. Donc aujourd'hui, on est avec les copains à Plougastel. Donc là, il y a Lucas. Il y a Denis qui est au fond là-bas. Il y a Hugo et Maël qui sont là. Je sais pas si Maël, tu voudras faire un ou deux tricks. Ouais. Oh, allez, ça fait un de plus. Qui lance le premier tricks? Hugo? Allez, Hugo. Hugo qui va nous faire... Hugo qui fait du vélo depuis 4 mois quand même. Avant, il faisait de la trottinette. Bon, cette époque est révolue. Maintenant, il fait du vélo. Et il va faire le transfert sur la porte, là. Je sais pas si c'est vraiment un transfert, c'est plutôt roulé, mais... C'est pas mon tricks. Alors Antoine, tu vas faire un pedal grind du Oppo 27 Foufani. J'ai le droit comme un décès pour ça. Quand ça passera, hein. C'est à qui? Bah ça va être à mon tour hein. Antoine, tu lui imposes? C'est toi qui tiens la caméra. T'as le droit de me bourriner dès le début. Dès le début. T'as le droit de me bourriner dès le début. Marc, tu fous de la whip? Hein? Ah ouais. Ah ouais quand même quoi. Aïe! Ça passe! Ça, c'est bien, il commence gentiment quoi, c'est pas un trick très compliqué. Tu m'as dit te bourriner! Ouais! Je m'attendais pas à ça! Je peux faire autre chose? Ça va être Foufanou sur la barrière. Et vu que avant il m'avait imposé Barfoot Jam Whip et que j'ai pas réussi, je vais faire Foufanou, un wall ride au fond et je reviens et je fais Aboubaka. Validé? Oui! Oui? Ah, du coup, je t'impose. Fouf Ice, tout fucky. Oh, bâtard! Fouf Ice, tout fucky. C'est bâtard ça. À droite ici. Ah ouais. Je sais pas si je vais le mettre, mais. Yeah. Yeah. Bon, du coup, c'est à Denis quoi, hein? Denis? Allez, ou donne tout tap. Peut-être aller prendre mon vélo, c'est pas plus de relance, ouais, c'est plus de prendre mon vélo. C'est rentré, hein. Mais c'était sketchy. La vache. Hugo, il va nous faire un 3-6 en fly out là. Dans le mur après. Bah ouais. Allez. Oh, tu peux... Avec tout le temps là.
Pas mieux avec le spot. Bon ben, étant donné que cette funbox n'a pas d'atterrissage et qu'en face il y a un mur, je pense qu'on peut considérer qu'il est rentré. Hugo. J'aime bien parce qu'il a le pas souple quand il vient, quand on le check. T'as le droit de m'imposer une ligne aussi. Y a droit. Bah oui. Wall 180. Wall, ouais. Ouais. Jusque là ça va. Wall 180. Une idée les autres. Half-cap 5. Half-cap 5. Ok. Allez. Wall 180. Half-cap delta bar. Half-cap delta to bar. Half-cap bar quoi. Allez. Parfait. Du coup, le wall 3-6 était dégueu, le tel tap était dégueu, il y a eu un rétro-pédalage, le bar était dégueu, mais je le garde, parce que c'est génial d'être dégueu. C'est gênant, non? Oui, j'ai. Vas-y. Manuel, toi, Boubaka. Donc il va passer la pyramide qui est là. Suis mon doigt. Tu vois mon doigt? C'est là. Après, il va faire manuel, là. Et faire un boubaka sur le quarter. Et là, il y a un skateboarder, donc j'arrête de parler. Oh la vache. Ça, elle est bien aussi. Eh. En plus, c'est un first try du premier coup. Du troisième coup. Alors pour le monsieur, ça va être un Smith en courbe. Un Smith en courbe. First try, du coup il a failli tomber, hein, mais encore un check. Du coup c'est à mon tour de dire à monsieur de quoi faire. Aboubaka Toubar. Aboubaka Toubar. Oh non. Eh, il a changé Denis, tu vois. Parce qu'avant il le mettait direct. C'est dur, mais là il va le remettre. Patrice, bon homme. Je me chauffe un peu. Oh, hyper clean en plus. C'est encore à Denis. Et il veut m'achever. Ouais. Ouais. Donc vu qu'on ride tout le temps cette partie-là, là, on va aller vers la partie qui est là, là-bas, là, avec le voile et tout. Et ce que je vais lui demander de faire, je vais lui demander de monter en barre la petite marche, faire un petit nose press et faire un petit drop tail whip derrière. Oh, déçu. T'étais pas si loin que ça. Il vient de dire qu'il avait mal au... Il avait mal au... Non, il avait plutôt mal au... Ben, en gros, il s'est fait mal au bouboule. Donc du coup, ce qu'on va faire, ils vont me calling de shot chacun. Et je vais essayer de faire le trick qu'ils me disent sur chacun des modules, en ligne. Je vais te défoncer. Ah, du coup, c'est le dernier stress, toi. Ouais, bah, XWN en hip. Tu fais wall. Ouais. Après, tu fais un petit top comme ça. Après, tu frottes ta roue comme ça en partant, là. Et tu drops en whip. Ouais. En 3-6. Ouais. Et du coup, le dernier trick, Antoine. Zoom sur sa tête, tu vas être déçu. Vas-y. Fous un tout part, Flaky. Allez.
histoire de bien me casser la gueule. Ah, par contre, faut que je réfléchisse à comment ma gaine s'enroule. Du coup, là... Ah si, il y a le drop whip, donc il faut que je parte gaine à l'envers. Attends. Drop whip, ça va s'enrouler. Ok, c'est bon. Et Denis, c'est vraiment un enfoiré. Parce que Fujam, tout bar, tout faki. C'est pas... C'est pas évident. C'est J'ai adoré la ligne parce que genre, je me suis perdu. Voilà. Je suis pas dans le bon sens. Je crois que tu vas réparer le toit là. Ok. Ok, j'ai pas d'équilibre. Ok, c'est bon, je suis calé. A bientôt, c'était super. Bref, elle est rentrée la ligne, hein. Ça peut même être la ligne de fin, je pense, parce que là, tu me recolles direct ou... Vu que je t'ai mis deux fois de rente tout à l'heure. Wall 540. Wall to 540 sur le wall... Avec les yeux. Moi, j'étais clairement pas à 540. Clairement pas, là. D'accord. Il y a juste eu un petit problème, c'est que la courbe elle est tellement petite que c'était un wall 540 tout street. J'ai atterri à plat par terre, clairement, mais il est rentré, donc je suis content. Bon, il l'a déjà fait une fois la ligne, mais on va reprendre au départ. C'est le rembobinage, c'est pourri, je sais, mais voilà. Donc du coup, il va faire un drop foot plante là à peu près, là, drop foot plante. Après, tel whip en air dans le hip là-bas, en opoer. Et il revient et il fait hand plante dans la courbe qui est là, là. Voilà. Et il va le mettre du premier coup du deuxième essai. C'est parti! Ça c'est bon. Grosse ambiance, hein. Grosse ambiance. Là, il y a Denis qui est en pleine exaltation. C'était super. Lucas vient de rentrer sa ligne. On est tous à fond. Ouais. On est tous à fond. Voilà. Et du coup... Mais c'est raide, hein. Et du coup, vu que je dis du coup à chaque phrase, du coup... Et du coup, j'ai une crampe, donc je change de main. Et du coup, en fait, la dernière fois qu'on était à Nantes, du coup... Ben, il a droppé la rampe du coup. Et là, il s'est mis en double pex là-haut pour dropper la rampe du coup. Et je pense qu'il va le mettre du coup. Bah non, c'était plus haut. Tu penses que tu peux le mettre du coup? Oui. Il peut le mettre du coup. C'est beaucoup de du coup, ouais. Je mettrai un compteur de du coup là. Bon, bien sûr, il va pas la dropper en sautant. Parce que la courbure, elle est un peu fat. Mais déjà, rien qu'un drop double pex, c'est déjà chaud. Il l'a clairement gapé, il l'a clairement gapé, mais quand tu vois la courbe, comment elle est fat. La vache. Putain, je suis sur le cul.
Je suis sur le cul, je pensais qu'il allait se fumer et que ça allait faire un super clip pour la vidéo, genre. Au moins une miniature, tu sais, où il finit le nez par terre. Et même pas. Denis, tu t'autocolles de shot, du coup, parce que moi, j'ai plus d'idée, donc je te laisse faire. T'as plus d'idée non plus? Bah, alors, ouais, j'ai une idée. Ça va, je suis gentil. Alors, il va monter sur la pyra en barre, drop barre dans la pyra, et au-dessus de la porte, un faki. Trop bien. Le faki là-bas, c'est tellement chaud, mais genre. Yeah! Du coup, là, ça va être les deux derniers tricks. Et c'est les miens. Du coup, deux tricks. Allez. Alors, je t'impose wall tap sur le wall après la courbe de là-bas. Yep. Après, tu reviens. Et tu fais wall to faki sur la petite barrière qui dépasse de la vert wall. D'accord. Donc en gros, c'est ce que je viens de te dire hors caméra. Oui, mais comme je suis très bon acteur, personne n'a vu. D'accord, ok. Non, mais c'était pour être sûr. Est-ce que j'ai le droit d'aller faire pipi avant ou pas? Exceptionnellement, oui. Bon, bah je vais aller faire pipi et on se retrouve dans le temps d'aller faire pipi. Allez. Mais bon, ça sera coupé. Hein. Je vais pas envoyer l'appareil photo quand je vais faire pipi. Si j'ai une GoPro. Ah bah il y a une GoPro, alors c'est bon. Ça va mieux? Je suis clairement beaucoup plus léger, hein. Oh, ça passe. Dommage. Ah, je me suis fait mal au talon. Là, ce que je suis en train de faire, c'est vraiment chaud. Parce que si t'as déjà roulé sur un rail, tu sais que c'est dur. Et là, je suis à l'horizontale de la verticale. Je suis nul en maths. Ah oh, génial, ça fait pas mal. J'y retourne. Ça fait mal. Je souffre pour cette vidéo. Je souffre, je vous le dis. Oh, je vais me faire une cheville. J'ai atterri un peu en arrière. Il est passé, hein? Bah oui, il est passé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'est les mouettes, ça. Elles adorent les tricks. C'est la fin de cette vidéo. Bon ride, à la prochaine.